Vous savez, mes enfants, tous les soirs, je les appelle en FaceTime. Gérard, FaceTime, faut que je t'explique ça. Mon GG, FaceTime. C'est comme... Bon, tu prends ton téléphone. Et tu te souviens de Cosmos 99, Gérard? Eh ben, c'est comme ça, tu te regardes dans le truc. Allô, bonjour, machin. Bah, c'est pareil, mes enfants, tous les soirs, je les appelle en FaceTime de ma loge, comme je suis pas souvent avec eux, hélas. Et tous les soirs, eh ben, ils me disent « Mince, pour ton spectacle, papa !» C'est vrai, hein, c'est leur maman qui ne veut pas qu'ils disent des gros mots. Alors, ils me disent « Mince, c'est mignon !» Et pourquoi pas? Et il y a deux, trois mois, je sais plus, il y a le grand qui me dit « Ouais, papa, est-ce que je peux te dire le vrai mot ?» Ouais, j'ai dit « Allez, vas-y, dis-le-moi une fois, c'est un gros mot, mais tu peux. » Bon, elle me dit « Merde pour ton spectacle, papa !» Et là, il y a le petit qui arrive de derrière, comme ça, qui me parle jamais, hein. « Et moi? Et moi? Et moi ?» Là, je me dis « Bon, bah, je dis oui à l'un, je peux pas dire non à l'autre, tu vois. » Il est 5 ans quand même. J'ai dit « Attention, c'est un gros mot, hein. Une seule fois, comme ton frère, hein. Allez, 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 vas-y. » Et là, je vous jure, messieurs, dames, il se gonfle. Il jubile, il me regarde et il me dit « Connard !» J'ai entendu ma femme rire derrière. J'étais en face. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai dit merci.